je vous propose tout de suite de découvrir plus en détail la solution que nous avons développée avec Auchan et avec les équipes Auchan. Il s'agit en fait d'un dispositif cross-canal qui va s'appuyer effectivement sur différents médias de communication, qui va avoir une partie front office, un volet front office au travers d'une plateforme web communicante entre le siège, le marketing client et les magasins. Évidemment, une intégration des bases de données clients et prospects directement dans la plateforme de manière à justement scénariser et automatiser nos productions multicanales. Au-delà du front office, Go4 gère aussi le back office puisque nous mettons à disposition pendant les périodes de campagne une hotline qui permet d'assister les magasins dans leur prise de commande, de les incentiver, de les stimuler. Et concernant la partie client, nous avons développé différents sites d'inscription et d'activation qui nous permettent de gérer et de mesurer les taux de retour. Les raisons d'utiliser Go4 aujourd'hui chez Auchan tiennent au fonctionnement même de notre entreprise, à notre culture. Il y a une première chose qui est extrêmement importante pour nous dans le positionnement de chacun de nos magasins, c'est ce qu'on appelle l'adaptation au local. C'est un fonctionnement où l'on privilégie énormément l'autonomie et la responsabilité des équipes. C'est-à-dire qu'on souhaite, au-delà de proposer le meilleur de notre offre tous les jours dans nos magasins, de permettre aux équipes d'avoir l'ensemble de leurs leviers en main pour fidéliser leurs clients, recruter des clients. Et donc, à ce titre, la solution Go4 nous permet simplement de mettre à disposition un certain nombre d'opérations de communication, d'opérations marketing ou de dispositifs clés en main qui vont permettre à chacune des équipes de se l'approprier et de diffuser des messages, des invitations, de parler d'événements auprès de leurs clients qui seront vraiment adaptés à ce qui va se passer dans le magasin. Ces médias de communication type Internet, réseaux sociaux, etc. sont des médias qui présentent énormément d'enjeux pour nous dans l'avenir, parce qu'il est assez clair que de plus en plus, il va falloir effectivement trouver des opportunités de réduire les volumes d'utilisation de papier, de baisser nos coûts de diffusion. On aura sans doute des taxes qui vont continuer à monter sur ces tracts. Et donc on travaille énormément sur ces médias numériques et notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où depuis un an et demi, on travaille notamment à bien comprendre les leviers de comment intéresser nos clients, comment intéresser les gens autour notamment d'une page Facebook. Et puis, ce faisant très très vite, est arrivé le souhait, l'envie de travailler sur ce type de médias avec un petit peu les fondements et les racines dont on parlait tout à l'heure sur l'exemple du mailing, et en disant, mais finalement, comment adapter ce média, une page Facebook, à notre envie de parler du local, de donner la main à nos équipes localement et de pouvoir s'approprier l'outil pour elles-mêmes parler aux clients autour de leur zone de chalandise. Donc, finalement, la bataille qu'il faut gagner au quotidien, c'est d'arriver à ce que l'internaute aime la page, et ce faisant, quand on parle sur la page, ça va faire remonter notre message, notre information, notre communication, notre question, non pas sur la page Facebook Auchan, puisque finalement il y a assez peu de trafic sur les pages au départ, mais vraiment dans le mur, dans le fil d'actualité de l'internaute, au même niveau que des discussions qu'il peut avoir avec ses amis. Aujourd'hui, ce qu'on a partagé ensemble, c'est finalement des possibilités d'amener des solutions de communication et de marketing direct au local. Aux deux extrémités, je dirais, du spectre, on est passé sans transition aucune, peut-être du média le plus traditionnel qui est le mailing papier, aux réseaux sociaux géolocalisés. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre challenge ensemble, ce sera de regarder comment intégrer l'ensemble de nos médias de communication. Hein. Comment est-ce qu'on donne plus la main au local sur des emails, sur du SMS, sur de la personnalisation du site internet d'Auchan, etc., etc. Pour que, par rapport à chacune des problématiques marketing très locales des magasins, on puisse leur proposer une palette d'outils sur lesquels ils peuvent être complètement autonomes et apprendre à fidéliser, intéresser et recruter leurs clients.